Ok, donc un peu dans le prolongement des lampes, mais à moitié aussi dans les bâtons, on a un produit un peu hybride qui s'appelle le Fusion. Donc il existe en Fusion pour les frictions lock et Fusion pour les bâtons talon. Donc là, on a le Fusion T. C'est un accessoire en fait qui existe depuis quelques temps, seul. Ensuite, il y a le Fusion Friction Lock qui a été disponible depuis l'été dernier. Et aujourd'hui, la version Talon qui est arrivée. Le Talon, c'est un bâton qui s'ouvre comme ceci et qui se ferme avec un mécanisme. Et donc, c'était un peu plus compliqué à faire à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est arrivé un peu plus tard. Donc aujourd'hui, c'est disponible. Un bâton Fusion, c'est quoi? C'est un bâton qui est vendu directement, donc, le bâton en version 40 cm ou 16 pouces quand c'est un friction lock, avec un clip ici pour venir le mettre à la ceinture ou dans une veste ou autre, mais également une lampe directement intégrée sur le bâton. C'est une lampe qui est rechargeable et c'est un bâton qui est livré avec son enrouleur-dérouleur USB qui permet de le recharger. Voilà, donc on va venir recharger ici, il y a un voyant de charge à ce niveau-là. Et pour l'utilisation, c'est très simple, il y a un bouton intermittent ou alors on pousse et ça reste en continu. Voilà, donc ça c'est un bâton qui peut servir en fait pour ici voir ce qui se passe et si jamais il y a besoin, on peut aussi l'utiliser directement. Voilà, c'est un bâton c'est un bâton avec une lampe et cette lampe est étudiée aussi pour l'utilisation en frappe. Dans le concept ASP et autres, on travaille aussi bâton fermé. Donc on travaille ici, on peut venir travailler et c'est une lampe qui est prévue à cet effet. Donc ça n'empêche pas de travailler bâton fermé avec. Elle est renforcée pour ça. Donc voilà pour ça. Là ici on peut voir juste les accessoires sur un talon, donc ça s'appelle Tactical T. Donc si vous remarquez c'est juste la lampe en version talon sans le clip. Et ensuite elle sera disponible également en Fusion T, juste la lampe mais avec le clip séparément. Ça c'est intéressant pour les personnes qui ont déjà un bâton talon et qui veulent équiper leur bâton d'une lampe. Donc ils peuvent acheter séparément ces produits-là. Et là ici on a un bâton Friction Lock avec la lampe Tactical USB posée dessus. Donc pour un friction lock, c'est beaucoup plus simple. Il suffit d'enlever le bouchon, laisser bien sûr le clip de rétention à l'intérieur. On vient remplacer le bouchon par la lampe et le tour est joué. Il existe également le bâton Fusion en friction lock, donc directement disponible avec le clip, la lampe et l'enrouleur-dérouleur dans le même packaging. Voilà pour ça.